Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft. Donc, chers amis, je commence déjà par vous remercier pour les différents noms de créateurs que vous avez pu me donner vis-à-vis de Robocraft Garage. En l'occurrence, Rosefall. Alors moi, à l'heure actuelle, le site de Robocraft Garage est en, est en maintenance. Donc je ne peux pas aller voir ces constructions. Cependant, je vous invite plus précisément encore à me donner directement des robots, directement des liens vers des robots. Ce qui vous plaise le plus. Alors apparemment ceux de Rosefall, donc je vais l'écrire R, enfin je vais vous le noter quelque part j'imagine, faut que je pense à le noter. Rosefall, donc R, O, donc O, alors avec le 0 en fait, S-E comme rose, sinon si ce n'est qu'avec le O c'est un 0, Fall, F-A-2-L. Apparemment ces robots sont stylés, pas forcément hyper efficaces, mais en tout cas extrêmement stylés et assez chers malheureusement. Donc bon, bah écoutez, on verra bien. C'est ce que vous m'avez dit prévenu en tout cas en me disant que ces robots étaient assez chers. Donc on verra, n'hésitez pas à proposer d'autres robots, d'autres créateurs. Hein. Moi en tout cas je vous remercie de votre fidélité. Et on va partir directement, je vais en profiter quand même pour lancer le Battle Mode. Qui apparemment a été amélioré, donc il y a plusieurs choses qui ont été améliorées dans The Pit. En l'occurrence dans The Pit les combats sont beaucoup plus nerveux dans le sens où chaque kill restaure la charge de vos armes. Par exemple... Dans The Pit, je tire un coup de sniper, la balle qui me sert à tuer un ennemi est automatiquement rechargée. D'après ce que j'ai compris. J'ai pas encore fait les tests. Vous avez écouté la nouvelle mise à jour, j'ai pas vu... Excusez-moi. Ça sort de nulle part celui-là. J'ai dans le fond de la gorge. Ok. Ok, c'est pas souvent que je commence par là, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette map. On va aller s'amuser un petit peu. Donc n'hésitez vraiment pas à me proposer des robots, chers amis. Je serais plus que ravi de pouvoir les essayer. Par contre, pas des trucs comme ça, quoi. Alors, allons-y. What? Oh mais non! Putain. What? Cette communauté est vraiment à chier. Excusez-moi chers amis, hein, moi je vous aime, mais alors eux, je les aime pas du tout. Excusez-moi. Hop. Voilà. Et de 1. Excusez-moi, ça va être embêtant ça. Alors si je peux, je vais essayer, vous allez voir. S'il peut éviter de se retourner, ce serait cool, merci. Hop. On voit des tirs donc. S'il y a des tirs, c'est qu'il doit y avoir des gens. Alors, allons-y tout en finesse. Hein. Comme toujours, chers amis, vous me connaissez, je suis absolument pas un bourrin. Hein. Oui, je l'ai pas vu venir, bravo. Bravo. Là, j'applaudis, je l'ai pas du tout venir. Par contre, j'aime pas du tout ton robot. Parce que je trouve ça, c'est pas censé voler, je suis désolé, hein, ça n'a rien de. De faisable, de réaliste. Donc je refuse. Je refuse que tu voles. Ok. Ok. Tentons le travail d'équipe malgré tout. Hein. J'essaie de viser la tourelle, vous voyez. Voilà, il en a une de moins. Hop.
Non. Bla. Ah, c'est parce qu'il a pété un de mes... Je te laisserai pas te barrer, t'inquiète pas. Ok. Où il est ton copain? Aïe, putain. Je l'aime pas celui-là. Je ne l'aime vraiment pas. Aïe, pardon. J'essaie d'aller chercher ces gars. Ces gars. Fuis. D'accord, il y aura quelqu'un là-haut. Je veux bien le croire. Allons-y. Il doit y avoir aussi quelques hélicos à mon avis. Alors, le duel des SMG. Ah, j'en ai plus qu'une, ça fait très très mal. En même temps, à deux sur moi, voire trois, parce que je crois que j'ai vu lui aussi me tirer dessus. C'était violent. Du coup, je suis que rang 5. Hein. Ça, c'est violent aussi. Elle est là, la violence, chers amis. Hop. Ah, j'ai vraiment envie de retrouver mon sniper. Oh là-bas, j'en ai plus que deux. Trois tourelles. Allez, on y retourne. Ah oui, ils ont effectivement aussi changé le... La taille de la tronche du comment du siège. Je tiens à en parler aussi. Pour qu'il ait plus de points. Et donc qu'on puisse poser le siège un peu différemment apparemment. Hop. Alors. C'est bon, on y va. What? Excuse-moi le snipe. Hop. J'arrive. Ok. Voilà, c'est lui qui m'intrigue, moi. Le fameux plasma copter là, qui est super gros. Alors.
Alors. Le problème, c'est quand. Soit elle bug, soit elle est. Voilà, je l'ai eu, ce qui me permet de gagner un petit peu de points. Le problème, c'est qu'en laissant, en laissant juste un cube, par exemple à celle-là, ils la rendent hyper valable parce qu'en fait, ils vont pouvoir activer leur troisième tour quand ils veulent. Pour peu qu'ils aient les deux autres, en fait, celle-là, elle sera directement activable pratiquement. Pourquoi cheaters? Qui c'est qui triche encore? Qui c'est qui triche? Plasmacopter spotted. Ok. Dis-moi, je suis curieux de savoir qui c'est qui triche. Désolé, à mon avis, c'est juste un bug, hein. C'est pas une de la triche. Hein. Ouais, elle a plus rien, c'est pour ça qu'ils pensent qu'on triche. Mais on triche pas, hein. C'est juste un bug, à mon avis. Hein. Enfin, j'ose espérer que c'est un bug et pas de la triche. Ah, pourquoi il a tourné? Apparaît-il que ça c'est efficace au combat? Un char qui fasse sniper. Bon. Je sais pas. Je veux bien le croire, hein. On va tenter une approche comme ça, tiens, pour rigoler. Tesla flyer spotted. Alors. Oh non, t'es sérieux? Encore toi en plus? Ah mais t'es con, reste pas là! Et voilà. Il nous faut plus de points, chers amis, si on veut faire vraiment des dégâts importants. Raté. Allons-y. Ok, on y va. Tesla flyer spotted. Hop. Alors.
MG tank spotted. Tesla flyer spotted. Tant on l'approche, hein. L'approche frontale, y'a que ça de vrai, hein. Vous le savez tous, hein. Alors. Bon, j'ai été complètement détruit. N'empêche que je leur ai fait très très peur à mon avis. Surtout quand je vois le trou que j'ai fait dans leur truc. Et ok, c'est cool. Tu t'amuses à faire des loopings, non? C'est la nouvelle mode. Ça permet de grappiller des points peut-être. Alors, allons-y, progressons chers amis. L'objectif c'est de nous faire un maximum de points. Donc je sais pas où on en est, on est à 912. Je sais pas ce que ça correspond, je sais pas comment vraiment optimiser mes points. Je suis pas un exemple à suivre, contrairement à ce que vous semblez tous croire, chers amis. Je peux vous donner quelques astuces qu'on m'a déjà donné à moi, en fait, c'est ça le truc. Hein. Je suis pas un PGM de Robocraft. Encore moins un constructeur de Robocraft. SMG hover spotted. Tesla flyer spotted. Interceptor spotted. Tentative numéro 2. Aïe. Oh. Oh genre. Alors ça c'est pas top. J'étais au-dessus de lui, normalement il est pas censé me faire de dégâts. Ah t'es malin toi. Alors. Ah là là, mon sniper me manque chers amis, faites quelque chose vite. Redonnez-moi mon sniper. Parce qu'apparemment vous n'appréciez pas trop le Shadow Knight que vous voyez actuellement. Parce que je comprends, il n'était pas très apprécié parce que tout le monde l'avait fait. Et bon bah, je peux comprendre ça. Donc vous, n'hésitez pas à me dire, donner vos conseils, vos astuces et vos robots surtout. Si vous avez vu des robots sur Robocraft Garage ou si vous avez des robots à vous, n'hésitez pas à les montrer en screen. Vous me les mettez sur un site de plot d'images et puis moi j'irai voir directement ensuite. Fusion tower is under attack. Tesla flyer spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower has been captured. Aïe. Foutu heal. Pas la peine, faut juste que je leur fasse peur. Ok, on continue. Voilà, je leur ai juste fait très très peur. Autrement dit, on va pouvoir aller récupérer nos tours normalement, si on est assez malin. Est-ce que je peux voir mes alliés? Est-ce que je peux voir mes alliés? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que tu fous toi? Mais what? Qu'est-ce qu'ils ont mes alliés? Ils sont tous destroy. Qu'est-ce que tu fous? Attaque! Ça y est, réaction. Y'a quelqu'un qui est au niveau d'une tour pour essayer de la prendre? Je sais pas, ça me semble logique. Ouais, quelqu'un qui attaque le leur par contre. Ça, ils ont pas compris. Oh, mais non, alors ça, c'est casse-couille. Ok, je me retourne.
Faut que quelqu'un aille prendre une tour, hein. Je sais pas où sont nos potes, mais. Parfait, ils y vont. Ah, lui, je sais pas ce qu'il fait. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Mais faut aller prendre une tour. Hein. Allez. Joli. Ok. On y va. Alors. Ok. Ok. Allez, tire. Parfait. J'essaie de passer un petit peu n'importe comment, chers amis, pour éviter justement qu'ils prévoient l'approche. Hop. Viens au bon endroit plutôt. Oh putain. Ça y est, on a une victoire, chers amis. Bon, tant bien que mal, hein. On cheat pas, c'est un bug. Donc Slow Pete va te faire enculer. C'est pas à nous de choisir. On n'a pas d'interaction sur les tours, je pense. Je pense pas, en tout cas. Alors. Elle nous donne un total de 570 000 points. Ce qui nous permet d'acheter un total de 24 cubes. Ok, donc plus que 8 et on passera au orange. Et une fois qu'on aura les oranges, on passera à ceci. Il nous en faudra 60. Il est possible, chers amis, que je joue entre deux. Je dis bien possible, hein. C'est pas certain. Bon, en ce moment, je suis plutôt sur Guild Wars 2, mais je peux tourner un petit peu. Je pense que je vais tourner un petit peu. Bon, on verra bien. On verra bien. Donc voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé une fois de plus cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.